décidé de t'inviter aujourd'hui parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Je te vois monter, descendre et autres. J'ai plus du temps, hein? Ah bon? J'ai plus du temps. Tu sais? Je t'ai dit que depuis que je t'ai rencontré, je ne cesse d'être ébloui par ton charme. Ah bon? Tu es jolie, joviale. Et je me suis renseigné. Hein? On m'a dit non. Elle est seule. Tu peux te lancer. Oh mon chéri Chocho. Oui. Tu sais, j'ai perdu mon mari. Ça fait aujourd'hui 6 ans. Oui, je sais. Je suis seule. Je ne sais même pas comment commencer. Mais Dieu m'a mis tout en chemin. Je vais te tuner. Je vais changer tout ça. Et d'ailleurs même, les histoires de cabas et autres, c'est fini. Hein? Oui, c'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois. Je mets plus ça. Non. Désormais, tu vas porter des petits démembrés avec des culottes, des hauts sports. Et ça va. Non, 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 non. Ça, c'est pour la cuisine. Tu vas changer ça et tout. Ah bon? Oui, oui. Ah bon. Maman Choco, je t'aime beaucoup. Ah ouais? Merci, et merci. Voilà que je tombe sur toi. Merci beaucoup. Donc, tu sais, on ne court pas. On va doucement, doucement. Ça me fait beaucoup plaisir. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début du commencement. Je vais arranger tout ça. En bref, je vais te tuner. ABS, tu es ici à côté. Comme tu es même là, j'en profite. Tu sais, tu es ma seule belle sœur que je peux dire n'importe quoi et tu me conseilles. Alors, comme j'ai fait mon petit cafétéria là, chaque fois il y a un monsieur qui vient là-bas, il mange, il paye et puis il me dit qu'il va faire chemin avec moi. Il m'a alors appelé qu'on essaye de causer et mettre les points sur les i. Alors j'étais là-bas au Sénat, on était en train de causer et puis j'ai dit que non, je cours vite à la maison, apprêter mes condiments pour demain. Qu'est-ce que tu as dit, ma belle sœur? Avant de me demander conseil, qu'est-ce que toi tu en penses? Selon toi? Ah, j'ai vu et puis j'ai dit, ah, je vais voir, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, j'ai dit je vais voir. Tu vas voir comme tu peux accepter, non? Bien sûr, je peux accepter. Donc tu peux accepter un gigolo comme ça? Un gigolo comment? Merde! J'avais moi dit l'affaire si. Non, 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 maman Choco, j'avais vu l'affaire si venir. Hey. Non, je ne suis pas d'accord. Donc ça veut dire que tu peux l'accepter, ma BS. Mais je peux l'accepter, c'est un homme. Est-ce que mon mari est encore là? Maman! Donc depuis 6 ans, tu manigançais ton plan tranquillement dans ton coin. Hey, j'ai vu ton cœur, maman. Ça n'en vaut pas la peine. Non, 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 c'est Akamba qui avait raison. Depuis ces années, elle essaye de m'ouvrir les yeux. Et moi, je suis là, je joue à la sourde oreille. Je te défends. Tous les jours, j'ai dit que non. Alors qu'au fond, tu avais ton plan depuis. Ton beau voulait te prendre en veuvage. N'est-ce que ton grand-mari voulait te prendre en veuvage? Tu avais refusé, pourquoi? Parce que tu avais ton plan bien élaboré. Ouais, ma BS. Non, 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 ouais, ma BS de quoi? Ouais, ma BS de quoi? Tu refuses d'aller en veuvage. Tu allais souffrir de quoi là maintenant? Tu es notre agent, donc tu dois rester dans notre famille. Donc j'ai mal fait de venir. Non, 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 je ne suis plus d'accord avec toi, franchement. Tu es strapole. Là, tu es en train de pousser très loin, franchement. Je ne suis plus d'avis avec toi.
franchement. Ça va, hein? J'étais tout dit que tu es notre agent. Tu ne vas aller nulle part jusqu'à ce que nous on va décider. Tu ne vas aller nulle part. Nulle part. Tu nous appartiens. On t'avait payé, tu es notre agent. Tu refuses ton grand mari au village parce que tu as les plans derrière la tête. Tu restes là depuis 6 ans comme une sève alors que tu manigances un gros plan comme ça derrière la tête. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Je t'ai à l'œil. Choco veut deux heures simples, tu mets beaucoup le cube. D'accord, j'ai compris. Maman Choco, j'espère que j'ai oublié ma commande. Deux heures spaghetti avec mayonnaise. D'accord. Maman Choco, pardon, n'oublie pas ma sardine. Ok. Fais vite, pardon, j'ai faim. Ma pala ne cuit pas depuis là, mon frère. Je vais le faire, pardon. Fais vite, mon affaire. Moi, j'ai pas. J'espère que tu as mis le cube ici. Là. Oui, j'ai mis, mon fils, j'ai mis. Ah, bah, la fois dernière, tu n'as pas mis le cube, mais ça n'était pas bon. Ah. Non, et on ne mange plus trop de cubes, fiston. Mais maman Choco, il n'y a pas la mayonnaise. La mayonnaise est finie hier, ma chérie. Je vais acheter demain. La même chose que tu as dit hier. Non, ne t'inquiète pas, je vais acheter demain. Mes copines, mangez comme ça. Demain, il y aura la mayonnaise. Ne vous inquiétez pas. Je dis, moi, ne mange pas. Tu as demandé le spaghetti sauté avec la sardine, non? Oui. J'ai envoyé un enfant acheter la sardine. Je veux le spaghetti sauté avec la sardine et beaucoup de piment. Il n'y a pas de souci. Maman Choco, il veut le cube. Je ne suis pas dans les affaires qu'on mange pour le cube là. T'inquiète. Ok. Mais j'ai dit à ma fille, j'ai demandé une tasse de lait sinon. Je suis en train de préparer ta tasse de lait, non? Mange d'abord le spaghetti. Bon appétit. Merci, maman. Bon, hey, maman Choco. Là, ça donne, hein? Tu as la clientèle. Ah, très grande. Ça, c'est bien ça. C'est vraiment ma copine. Ah, maman Choco, quelle est la clientèle, mon frère? Tu conduis à peu près 2000 francs. Tu peux déjà cotiser même 3000, 2000. Tu me donnes encore 1000 francs comment, non, maman Choco? Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari.
puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Les menaces par-ci par-là. Elle met la maman choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.